Et c'est parti pour le style The Dark Knight de Hans Zimmer. Alors, bon, il faut que je le dise, ça a été le moins galère à faire, et ça me fait trop rire, parce que honnêtement, et je suis pas le seul à le dire, et j'en suis content, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire, c'est que, apparemment, ce que j'ai fait ressemble au moins autant que les autres au style du compositeur imité. Pourtant, je l'ai fait en 3 jours, alors que les autres, c'était en 1 mois. Je sais que le style de Zimmer se base pas mal sur la conception du son, le sound design, et qui passe le plus de temps là-dessus. Moi, je sais pas faire ça, hein, d'accord ? C'est pas mon domaine. Je suis plus dans l'écriture orchestrale, quoi, pure, et donc si je me base que sur l'écriture orchestrale et que j'arrive à atteindre un truc qui ressemble quand même pas trop mal au style de The Dark Knight sans sound design, je me demande, je pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait, de travailler 90% du temps pour ajouter, je sais pas, 10% de singularité à son morceau ? Débattez dans les commentaires, voilà, on va lire ça. Mais en tout cas, voilà, vous allez comprendre très vite en regardant la partition pourquoi j'ai mis aussi peu de temps à faire ça. Double croche, ronde. Non mais sérieusement. Alors je lui ai donné un peu de crédit parce que là, regardez, hop, j'ai fait une petite portion du morceau en 5-4. D'ailleurs, personne me l'a dit, mais après coup, ça m'a fait penser au thème de Terminator. Bon, on a des percus mais qui tapent toujours sur les croches, on a des longues notes qui durent toute une mesure. Enfin, il n'y a pas de fantaisie, en fait. Niveau mélodie, c'est assez mort. Des rythmes très marqués. Alors, les sons sont puissants, les couches sont vraiment accumulées. Alors là, pour le coup, on n'a pas vraiment de contre-champ. C'est très homorythmique, tout ça. Les mélodies, bon, bah, sont simples et très répétitives. Ça, pour le coup, c'est pas du tout comme John Powell. Je vais vous faire entendre, mais globalement, je sais même pas si je vais vous faire entendre, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. La musique se déconstruit à l'écoute seule. Alors, si, je peux peut-être faire entendre ce petit passage au violon solo, et je suis assez content, parce que je l'ai joué moi-même sur mon violon, alors évidemment en plusieurs fois, hein. Vous allez rigoler. Alors les violonistes parmi vous vont vraiment se foutre de ma gueule, mais bon, c'est pas grave. Dans le mix, ça passe. Ouais, bon, ouais, tout seul c'est vraiment moche, mais je l'ai fait doubler par des violons qui jouent en col legno, donc ça fait ça les deux. Qu'on a dans le thème du Joker. Bon voilà, alors tout de suite ça fout dans l'ambiance, hein, c'est vraiment très puissant, et évidemment on m'a dit aussi c'est le style qui colle le plus à Avengers. Ouais, c'est le style qui colle le plus au gros blockbuster d'action, vous voulez dire? Bah ouais, évidemment, donc forcément ça passe, et puis de toute façon c'est un style passe-partout, donc limite ce style passerait sur beaucoup plus de films. En fait, il n'y a pas de singularité, enfin beaucoup moins, je trouve, il y a une identité vraiment très passe-partout, quoi. Oui, c'est un reproche que je fais. Bon, moi c'est parce que je suis pas du tout fan de ce que fait Zimmer, surtout récemment. Donc ça commence direct. On a plein de percus, des taiko, des sourdos, des trucs comme ça. Les cuivres, voilà, qui tirent leurs notes sur toute la mesure, il n'y a pas vraiment de mélodie. Ça, je me suis inspiré du Joker, les violons dissonants. Gros cuivre grave. On m'a dit, il n'y a pas trop de cuivre bien grave. Alors pourtant, vous l'avez pas entendu, là. Genre là. Un P. Ah, voilà, là. Tellement gras qu'il en est fake, d'ailleurs, ce son. Mais dans le mix, ça va, ça passe. Bon, on a toutes les cordes qui jouent, voilà, sur les mêmes rythmes, on le voit, là. Des gros coups de cuivre aussi, derrière, en staccato. Peut-être que vous avez entendu la guitare, à ce moment-là. Bon ouais, j'ai essayé d'ajouter des idées de sound design, des sons qui ne sont pas orchestraux, mais bon, ça reste très léger, quoi. Mais ça le fait. Là, un son un peu électro, mais on l'entend pas trop dans le mix. Ah oui, il y a un swoosh, à un moment, il y a un swoosh, il y a des swoosh partout. Tout ça pour rappeler ses sound design. Alors donc dans le mix, ça fait. Et là. Voilà, plutôt que les cymbales qu'on fait jouer en trémolo crescendo, bah là on a d'autres sons qui vont permettre la transition d'une séquence à l'autre. Oh, franchement, je m'arrête là pour Zimmer, hein. Ah sinon la fin, ouais, la fin, bah évidemment vous aurez peut-être reconnu les deux accords du thème principal de Batman Begins, et donc repris dans The Dark Knight. Voilà ça. Euh,
A-t-on le droit de dire que ce n'est pas une copie du thème principal? Parce que ce ne sont que deux accords qui sont très simples, juste à poser, un petit peu comme ce que j'ai fait pour Matrix. Donc je me suis, j'ai carrément osé reprendre ça. Mais voilà quoi, enfin franchement, c'était pas le plus compliqué, et je suis content du résultat parce que bah ouais, ça pète quoi. Enfin moi j'aime bien, hein, et ça va bien à la scène. Et c'était bien parce que c'était facile à faire, donc c'est un petit bonus. Et en plus de ça, les gens ont aimé, donc tant mieux. Alors, débrief final. Alors au niveau des commentaires, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont... Alors il y en a un au moins sûr qui a détesté mes musiques, mais alors je sais pas, il a sûrement un truc contre moi parce que faut pas à quel point ça aurait pu être aussi dégueulasse mes musiques. Je veux bien entendre aussi, et donc ça c'était le dernier point que je voulais soulever, que les sons orchestraux que j'ai produits sont loin d'être réalistes. Mais c'est étonnant parce que j'ai l'impression d'avoir plus maintenant ce genre de commentaires qu'avant, où vraiment mes compos produites sur FL Studio et tout, avec d'anciennes banques de sons et avec beaucoup moins de skills, donc qui étaient beaucoup plus dégueulasses, bah, j'avais beaucoup plus de commentaires, beaucoup moins de commentaires comme ça. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un truc, boum, on me tombe dessus pour le réalisme des sons. Alors que, bah, voilà, on me dit souvent, change de banque de son pour avoir des meilleurs. Alors que, franchement, les banques de son que j'ai, bah, c'est... je vous montre. Là, j'ai du Berlin, là, j'ai du Spitfire Audio, là, j'ai du Cine Sample. Spitfire Audio encore, bon là c'est Signal, Spitfire, bon là c'est LA Scoring Strings pour les glissando dissonants, mais j'ai aussi BBC Symphonic Orchestra, enfin c'est des trucs, alors ça c'est hyper récent, de Spitfire, franchement c'est des trucs, c'est des bonnes banques de sons en fait, c'est pas les trucs gratuits quoi, donc c'est pas les banques de sons le problème. On me donne souvent des conseils, toujours les mêmes conseils, je suis très content d'avoir que des conseils, mais le problème c'est que je les applique ces conseils, par exemple faire jouer des vélocités différentes selon les notes, pour pas que ça soit les mêmes répétitions, pas que ça soit trop robotique, faire des petits décalages dans le rythme pour pas que ça soit parfaitement dans le tempo. Je le fais tout ça. Faire jouer les cordes un petit peu avant la note voulue parce que pour avoir un meilleur legato, je le fais aussi. En fait, on me donne des conseils qui ne me permettent pas pour l'instant d'améliorer mon rendu et ça me déçoit un peu. Je sais pas comment faire mieux. Je sais que je pourrais, enfin, je sais qu'on peut parce que, alors, il y en a un qui m'a évidemment donné un lien vers une vidéo d'un mec qui reproduit le thème principal de Star Wars tout en virtuel, mais. Franchement, d'un niveau, d'une qualité magnifique, je n'ai pas son niveau, donc ça m'a valu, hein, t'es un mauvais compositeur en gros, donc c'est sympa pour l'ego, ça fait mal. Que dire de plus? En fait, ouais, voilà, j'ai fait au mieux et j'ai progressé par rapport à avant et on me tombe dessus toujours sur le réalisme des compos. Évidemment, si j'avais un orchestre, la question se réglerait très vite fait. Ce que j'écris, c'est pour un orchestre. Et il y a un autre truc que j'aimerais aussi ajouter ici, c'est que un de mes arguments, vraiment, c'est que, je sais pas, écoutez mes compos et pour vous, laquelle sonne le plus réaliste? Je vous aide, pour moi, c'est celui de Hans Zimmer. C'est là où j'ai le moins problème de réalisme au niveau du son. Mais regardez la partition! C'est que du staccato ou des notes longues. Il n'y a pas besoin d'articulations différentes parce qu'il n'y a pas de mélodie complexe et élaborée qui nécessite des notes courtes, des notes longues, des variations dans l'expression, etc. C'est à ce moment-là, en fait, que ça devient plus compliqué à rendre plus humain et plus réaliste. Alors que Zimmer, bon, bah, les sons seuls, genre un staccato de corde, vam, ça sonne bien seul. Donc si t'en enchaînes comme ça 10, bah oui, ça sonne bien. Alors que la partition de Williams, bon, que là j'ai fermé, c'est jamais aussi régulier, aussi métronomique. C'est des mélodies complexes, Powell aussi, enfin bref, c'est beaucoup, beaucoup plus dur à rendre beaucoup plus réaliste. Alors en passant plus de temps, ouais, peut-être que j'y arriverai, mais honnêtement, je sais même pas comment en fait, parce que j'utilise déjà des articulations différentes de notes, etc. Donc c'est très chaud. Bah, encore une fois, j'appelle à vos conseils, mais d'autres conseils du coup. Des conseils que je n'applique pas encore. Alors j'avais un conseil, c'est de jouer moi-même les mélodies. Alors il faut que je vois comment brancher mon clavier au truc et voir si ça va pas me prendre trop de temps de faire comme ça et voir si vraiment ça vaut le coup. Peut-être vraiment de jouer moi-même les mélodies des trucs. Mais d'un autre côté, je compose sur Melody Assistant qui est une partition numérique, donc il faut bien que je transfère le MIDI sur FL Studio quoi pour le programmer avec des instruments virtuels. Bon, c'est toujours compliqué cette histoire, mais voilà, c'est le négatif qui remporte à chaque fois. Pourtant, je suis assez content de ce que j'ai fait. Je suis content de l'avoir quand même sorti. Ça a été assez dur de le sortir parce que je m'attendais au négatif et je l'ai eu le négatif, mais au moins je m'y suis attendu. Mais dans l'ensemble, les commentaires étaient plutôt encourageants. Ça, c'est cool. Et je terminerai par dire que pendant que j'ai programmé la version Dragon, j'ai tourné un épisode de Let's Score en fait, un épisode spécial que je sortirai et qui a été demandé, alors à l'époque, hein, donc ça fait longtemps, qui me demandait comment je passe des sons de Melody Assistant
à la version définitive. Et donc je l'ai fait en même temps, et j'ai montré 2-3 petits trucs, et là ça va me permettre de vous montrer, et donc pour ceux qui font de la MAO, de vous montrer moi comment je fais, et peut-être que là d'autres conseils émergeront, en tout cas je l'espère. Et ben, j'espère que ça vous intéressera aussi comme vidéo, donc à venir très bientôt sur la chaîne, et la vidéo est déjà prête. En tout cas celle-là je vais la sortir avant je pense, parce que le débrief se faisait attendre à mon avis. Bon, je vous souhaite une bonne nouvelle année 2021. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous faites tout ce que vous voulez dans votre vie. Faites des projets, faites comme moi, c'est trop cool. Voilà, et puis n'oubliez pas, restez abonné, puisque bien sûr, l'épisode sur la saga Matrix va sortir en 4 parties que je suis en train de monter. Ça avance, on va en voir le bout. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, sincèrement, parce que ça a été le plus gros boulot de ma chaîne. Oui, même limite plus gros que le travail sur Le Seigneur des Anneaux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester abonné. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.